Les pourcentages. Un pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est égal à 100. Par exemple, 10%, c'est 10 centièmes. 20%, 20 centièmes. 30%, 30 centièmes. 40%, 40 centièmes. 50%, 50 centièmes. 60%, 60 centièmes. Certains pourcentages représentent des fractions à bien retenir. Par exemple, nous savons que 50% c'est égal à 50 centièmes. Nous voyons sur le dessin que c'est aussi égal à 1 demi. Donc, si je dois colorier 50% d'une forme, j'en colorierai la moitié. 25%, c'est 25 centièmes. En coloriant, nous remarquons que cela fait un quart. Donc, si je dois colorier 25% d'une forme, j'en colorierai un quart. 75%, c'est 75 centièmes. En coloriant, nous voyons que cela représente 3 quarts. Si je dois colorier 75% d'une forme, je devrais donc colorier 3 quarts de cette forme. 20%, c'est 20 centièmes. En coloriant, je remarque que cela représente 1 cinquième. Si je dois colorier 20% d'une forme, je devrais donc colorier 1 cinquième de cette forme. 10%, c'est 10 centièmes. En coloriant, nous constatons que cela représente 1 dixième. Si je dois colorier 10% d'une forme, je devrais donc colorier 1 dixième de cette forme. 100%, c'est 100 centièmes. En coloriant, je me rends compte que c'est l'entièreté. Donc, si je dois colorier 100% d'une forme, je devrais colorier toute la forme. Si je dois prendre le pourcentage d'un nombre, je pense à toutes ces fractions que je viens de découvrir. 50%, c'est un demi, donc 50% de 20, je fais 20 divisé par 2, et cela fait 10. 25%, c'est égal à un quart, donc 25% de 20, c'est égal à 20 divisé par 4, et cela fait 5. 75%, c'est 3 quarts. Donc, 75% de 20, je fais 20 divisé par 4 fois 3, ce qui donne 15. 20%, c'est 1 cinquième. Donc, 20% de 20, c'est 20 divisé par 5 et cela donne 4. 10%, c'est 1 dixième. Donc, 10% de 20, je fais 20 divisé par 10, ce qui nous donne 2. 23%, c'est tout simplement 23 centièmes. Donc, pour prendre 23% de 200, je fais 200 divisé par 100 fois 23, ce qui nous donne 46. Et voilà, tu sais tout sur les pourcentages.